Salut tout le monde, aujourd'hui vlog de golf. J'ai vu Phil Côté le faire, ça me tentait de le faire aujourd'hui. Donc j'ai apporté un petit peu de gear, on va aller voir avec qui je vais jouer. Je pensais jouer tout seul finalement, il va peut-être avoir des gens, mais on va le savoir sur place. Donc c'est parti pour une ronde de golf au golf Montmorency. Alors c'est parti. On est en route. Je voulais juste de quoi, je vais faire une transition entre les deux là, ben, franchement. Je vais arriver, il va rester à peu près 30 minutes avant le départ, donc c'est pas beaucoup de temps, mais ça va être assez en masse pour poter, puis aller payer, puis préparer mon stock pour filmer. Donc voilà, vous allez voir mes piètres talents de golf. La première péripétie a déjà lieu. Madame qui... Madame pas contente de voir un jeune à casquette prendre un cart. Puis mettre le reculon avant qu'elle passe. Bref, c'était la première péripétie. Là, tout ce qu'il reste à faire, c'est prendre mon sac, le mettre dans le cart. Puis après ça, on va être good to go. C'est le plus important pour oublier les deux boîtes de balles. C'est un course que j'ai pas fait souvent, mais je l'ai joué il y a quelques semaines, ça a bien été. Il est quand même le fun, pas trop. Il y a des challenges, mais c'est pas le plus difficile, mettons. Mais en plus, là, je suis seul, en plus, ça c'est la meilleure bonne nouvelle, je l'avais payé, puis je suis seul. Jay, repose ton petit doigt cassé, mais. On va s'en reprendre, mon Jay. Une autre petite péripétie, les gens. Même si Jay peut pas, je vais pas m'empêcher d'aller jouer une super belle ronde de golf. On est parti, la gang, pour une petite ronde de golf. Je sais pas comment ça va sonner, mais bon. On est parti pour une petite ride solo ce soir. Première étape, le potting. Ça part bien, ça part bien. Premier trou, on approche. On va jouer des blancs aujourd'hui. Premier trou, par 4. Quand même relativement simple. Ici, c'est pas large par contre. Ça, il faut le garder en considération. C'est pas très large. On est parti avec un hook à la gauche. Potentiellement dans de l'eau. OK. Après, sans verge, c'est de garder l'eau. Faire 7. Allez, roule. Soit sur le verre, soit dans une trappe de sable. Do or die. Pogné un peu d'armes, mais je m'en suis quand même très bien sorti. Je suis très content de cette sortie de bois-là. On est sur la frise, mesdames et messieurs. Sur la frise. Oh! On s'en sort avec un bug. Premier trou, l'impression, je pense que j'ai un peu de pression avec ce que je filme. Mais Boogie, très content avec ça. J'ai fait beaucoup pire sur ce trou. Let's go! Nous sommes au trou numéro 2. J'ai pas regardé le yardage, mais d'habitude, je prends bois 1 ou bois 3. Cette fois-ci, je suis plus en confiance avec mon bois 3, malgré mon coup de départ, mais on va voir ce que je suis capable de faire ici. Avant-trappe. Je pense que j'étais avant-trappe. Je pense que j'ai fait un mauvais contact. Mais je m'en suis quand même bien sorti.
superbe journée, très confiant. Ça va bien. Deuxième trou, je sens que j'ai encore mes repères. Je pense que je me dépêche encore un peu trop, mais j'ai tellement pas de pression, j'ai personne derrière moi, là. Personne. Un peu fort. Stop. Même place que la dernière fois. Je l'ai mal pogné, à jamais levé. Et c'est pas grave. Un chip, pas beaucoup à faire, mais c'est pas grave. On regarde la Spirit. Ça arrive tout le temps des mauvais coups. On trouve de l'autre côté, complètement. Pas dans le marde d'eau. Pour le par, un long par. Le but, c'est pas d'être dans la coupe, c'est juste de se rapprocher de la coupe. Uphill, droite-gauche. Go. Coupe. T'as jamais coupé. C'est pas grave. C'est important ceux-là. Regarde le bug. Deux bugs en deux trous. Très content. Ils sont pas faciles les 5-6 pieds comme ça. Là. Vraiment pas. Donc 188 verges par 3. On essaie de se mettre sur le centre du green. Faire 6. Dans l'eau. Elle est peut-être en jeu. Étonnamment, regardez ça. Regardez où ce qui est tombé. Là. Donc, évidemment, je vais me donner une petite chance. Là. Je vais la tasser de là vu que je suis gaucher. Là. Je vais la mettre juste un petit peu en avant, mais. Au moins sorti. Je vais vider le centre du green. Ça semblait plus un punch shot, mais bon. C'est pas grave, on est sorti du trouble. Je vais jouer un bump and run. Je suis short, mon but c'est d'arriver proche de la coupe. Il y a du jeu pour qu'elle arrête. Un peu même stand qu'un putter, mais avec un 8. Roule. Embarque. Ah! Un double. C'est pas un trip, on les limite les doubles. On essaie de les limiter. Donc les standings après 3 trous, je suis à plus 4. Bougé. Et double bougé. Alors je premier par 5 aujourd'hui. J'hésite entre bois 3 ou bois 1. Là. Alors bien il faudra que je le sorte aujourd'hui mon driver. Mais je pense que celui-là, c'en est pas un pour moi. En plus, le départ est complètement à droite. Et j'ai tendance à slicer, donc ça va être le bois 3, je crois. Into the trees. Bon, ben aujourd'hui, c'est Hook City pour mon bois 3. Peut-être retourner dans le sac. Bon, vraiment pas loin, j'ai dû faire quoi, 55 verges. Donc on essaye pas de jouer l'aerial shot, je vais essayer un petit peu plus loin par là. Une route. Stop, pas dans le bunker, non. Ok, parfait, on est dans le rough, sur le bord de la trappe. J'ai une super de bonne neige, je vais prendre mon hybride.
Et un flop. Tant qu'elle arrête avant le bunker. C'est ce qui arrive quand tu veux jouer le hero shot. Troisième coup, on est au 170 à peu près. 165. J'ai peut-être pas dit, mais... j'ai quand même un gros handicap. C'est ça le bâton que j'aurais dû prendre. C'est ça. 167 verges. Faire 7. Oh, wow! C'est beau contact. Hein? OK. À droite du green, a roulé beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai bien aimé le contact, par contre. Le contact était là. Le contact était là, mais pas la cible. C'est pas grave. On se rapproche du green. Ouf, 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 ouf. J'ai eu peur. Alors, regardez-moi le dévet qu'il y a là. J'aurais pu tomber là-dedans. À la place, ça a tombé juste ici. Juste ici. En bordure. C'est excellent, ça. Faut juste pas que je défonce. Parce que ça descend atrocement. Je reste en haut. C'est ça que je voulais. Je reste en haut. Parfait. Excellent. Non, non, tombe pas, stop, stop. C'est pas facile, ça, là. On sauve le double, on sauve le double. On essaie de faire pas de triple aujourd'hui. Les standings, après 4, je suis à plus... J'ai fait boogie, boogie, double, double, donc je suis à plus 6, après 4 trous. Donc c'est pas si mal, c'est pas si mal, on s'encourage. J'ai pas fait de triple. Ça va bien. Le putting va quand même bien aujourd'hui. Je suis content. Je suis content. OK. Pas super. C'était une balloune, mais on va la prendre. On va la prendre. Ah, oh, c'est à droite. En jeu? J'espère juste qu'elle va aller se cacher derrière le petit arbre. Ça, c'est même pas mon dévite. Je suis à 100 verges, j'ai trop d'arbres dans la face. C'est sûr que ça passe pas. Donc, je vais essayer de la jouer plus au centre, là. Pas évident, là. Je suis quand même à mon deuxième coup, là. Ça sert à rien d'essayer le green, il y a une trappe en avant. Puis, je vais être plus dans le trouble si je me mets à la trappe. Il y avait une racine. Bon, ça a roulé assez. Je suis encore devant la trappe, mais je peux au moins la lever. Je prends mon 52 ici. Je suis plus en confiance avec mon 52 que mon 56. Donc, un petit swing. Juste assez pour traverser le bunker. Stop. Stop, 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 stop. Fuck! Encore défoncé green. Donc ça, c'est pour le double bug. Ça descend. Triple. Donc un petit triple, les amis. Premier de la journée. Ça en prend, ça en prend. C'est le dernier. C'est le dernier. We're on the green, baby. We are on the green. Perdu mon tee. Quelqu'un qui l'a vu, c'est un replay? Instant replay. On est sûr, le green est en Je pense que c'est mon premier green in regulation. Très satisfait de cette drive-là. Très, très, très satisfait. Ma drive. Très beaucoup de fer. Je suis très, très content. On est sur le green, baby? On the green.
J'ai trouvé ma pitch mark. Oh! Trouvé. C'est assez gros, ça, comme pitch mark. Ah, c'ti. Mauvais stroke. Oh, wow, what the fuck? Et on s'en sort avec un bug. Mais c'est pas un trip. Bug. Bugué, c'est la vie. C'est parti la game, buddy. J'ai fait le green en un sur celle-là. Écoute, on était au... on arrive au... Septième trou. 10. Plus 10 en 7 trous. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais pour moi. Je l'avais peut-être pas dit, là, mais j'ai un handicap d'environ 30, ça, 30 au-dessus. Au tout le moins, je joue généralement 100, donc pour ceux qui se connaissent, là, c'est assez élevé. Et voilà, on essaie de s'améliorer tous les jours, hein, n'est-ce pas? All right, next! Good strike. Je crois qu'on est passé le sable, les amis. That's it. Allez, roule, baby. Front pin en plus, on va aller voir. Yes, sir. Je sais pas si vous voyez. Un deuxième green en régulation. En regulation. Deuxième green en normal. Donc, pot pour le bird ici. Ouais, donc. Allez, on va chercher la normale. Normal, la première aujourd'hui. Let's go. More to come. Ah, je suis content, ma première normale aujourd'hui. Ça en prend si on veut jouer en bas de 100. Ça en prend. Une bombe! À gauche du fairway, c'est excellent ça. Excellent! Tombe. Tombe pas, stop. Non, pas dans l'eau. Arrête, t'es sur green. Let's go! Elle a stoppé sur green. Donc, drive au 8e, approche avec un 52. On est à peu près, je dirais, 25 pieds de la coupe. Je suis loin d'être un pro, les amis, mais maudit que j'aime ça. Maudit que j'aime ça, le golf. Coupe. C'est proche, les amis. C'est proche, on va compléter ça pour le par. Un tap and par. Ça fait deux de suite, les amis. Deux de suite, on est très content. Très, très content. Ils ont remis ces choses-là sur les terrains de golf. Ça sert à laver ses balles. Bien pratique. Mais bon. Ça me fait en sorte que je suis meilleur? Je pense pas. Est-ce que je le fais pareil? Yes, sir. Passe le bunker, s'il te plaît. Fuck, est tombé. Tombe en bas du green. Fuck. On n'est pas à la bonne place, les amis. On n'est pas à la bonne place. Trop fort. Ouf, ça va être loin, ça. Ouais donc. Oh, Just short. C'est pas grave, c'est un bug. La série de par de suite s'arrête à deux. Mais au moins, on a un bug. Premier 9 terminé, on va aller voir
Bon, la carte. Premier 9 déterminé. Je suis quand même très content. Je vais voir si je vais faire deux parties de ça ou une partie. C'est quand même long. Un 18, donc je vais peut-être le couper en deux parties. Personne derrière moi, donc je vais le faire tout de suite ici. Finir avec un bug. Ce qui fait 4. Je suis juste à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc plus 11 sur le front 9, ce qui est excellent pour moi. Plus 11. Donc j'étais à 46 sur le front 9. Je suis très content. Ok, merci d'avoir été là pour le premier. Si jamais je fais deux parties, ben c'est pour ça que vous voyez ce segment-là. Donc, merci d'avoir regardé. Le deuxième s'en vient très bientôt. Je vais essayer de faire ça très rapidement. Pour ça, ben pour les autres, ben je vais continuer mon parcours. Donc, à plus les chums, il faut traverser une petite rivière. Donc, à tantôt.